Salut à tous les gens. Donc on était au point de sauvegarde à la fin de la forêt pour aller. Merde, c'est pas là. Pour aller dans le truc de Tinto. Oui, c'est très précis. Non, de Tinto, qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'est waouh. Dans la République des Torrents. Un truc à rien à voir. Et du coup, putain. J'ai toujours pas réussi à lancer cette putain d'attaque. Voilà, on est à la toute fin de la forêt. Hein. Et si j'y arrive pas, tant pis. Hein, on va pas pleurer non plus. Oui, je laisse mes persos crever comme des merdes. Mais après, s'ils lançaient leur attaque, peut-être que ça serait mieux. Donc, ouais, j'oublie un objet. Ouais, j'oublie un objet. Un objet là. Là. Le bouclier d'argent. Qui est très joli. Et qui vaut de l'argent. C'est un vrai jeu de mots. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent équiper des boucliers? Ouais, lui. Donc on va lui mettre le mangoche. Voilà. Puis on les soignera avant le boss. Hein. On va pas s'emmerder non plus. Son China, il sert à rien. Vas-y, là tu me fais l'attaque et tu les démontes les quatre. Vas-y, je sais que tu peux le faire. Pion, go, attaque kobold! Putain, enfoiré! Le pire, c'est que j'ai essayé hors vidéo, il l'a fait au bout de la 4 ou 5ème fois. Et là, il me troll comme un gros canard, quoi. Là, je vais me faire démonter si ça continue. Bah non, allez, hop. Ça fera bien. J'attaque n'importe qui, putain. Faut jamais faire auto en vrai. Ah, vous avez vu? Elle s'est pris l'attaque à sa place. Et lui, du coup, il est fou furieux parce qu'elle est morte. C'est bien foutu ça, quand même. Le chat, il crève tous, mais on s'en branle. Hein. Putain, je suis pas très poli quand je parle. Un coup de lance-pierre, attention. Pour tout vous dire, le boss là de la forêt, il vaut pas un coup. C'est sûr, je pourrais le battre avec deux personnes. On va pas essayer, mais c'est possible. Voilà, vous voyez, ça passe tranquille. De toute façon, quand on a conscience que ça passe, on s'en fout. Bon, par contre, faut les soigner un jour quand même. Qu'est-ce qu'il me reste? Des gâteaux. Un gâteau pour tout le monde. Voilà. Et voilà, c'est parti. Du gâteau pour tout le monde, c'est bon. Silverlay, alors ça doit être une armure, genre casque, non? Non, c'est pas. Non. Ça m'énerve parce que. Ah, voilà. Souliers, orteils. Ouais, des tongs, quoi. Bon. Le boss, c'est par là. Et je vous préviens, au boss, je fais que ça. Enfin, je fais des trucs avec les autres persos, mais je vais faire que unir, unir, unir. Jusqu'à ce que l'attaque se lance. Sauf si elle se lance bien. Voilà. Je veux dire, sauf si elle se lance maintenant, mais. Bien sûr, c'est pas possible. Donc, oui, pour résumer, cette attaque est bien, mais vu qu'elle se lance jamais, ben, elle est. Elle est bien et pas bien, quoi. Bon, mais ils sont presque tous au même niveau comme ça. Allez. Peut-être faire le boss. Ah, ils veulent pas. Hein. Pourtant, je vais lancer un bon nombre de fois quand même. En fait, pour trouver les affinités entre les persos, bah, il y a
Richemont qui vous donne des trucs des fois. Même on part des trucs pour recruter les persos, mais il y a également des trucs pour avoir des secrets sur les persos qu'on a déjà. Ils ont trois secrets chacun, je crois. Il y a des infos assez intéressantes si des persos vous intéressent, vous voulez en savoir plus sur eux. Ok, donc on va faire ça, repousse magie sur tout le monde. Là on va attaquer, là aussi. Et sinon, ouais, faut regarder quel point commun ils ont. Par exemple, eux, c'est des kobolds tous les deux. Ou des gens qui ont la même arme. Par exemple, si on met deux persos qui ont un arc, ils font une attaque à l'arc sur tout le monde. Alors, faut pas que le combat dure trop longtemps non plus. Parce que vu que j'ai des persos qui font pas de dégâts, ça aide pas trop. Qu'il a d'autres. Hein. On va lui mettre ça, ça doit faire plus mal, je pense. Comme je l'ai dit, un boss en carton. Sa seule grosse attaque, c'est un truc magique pourri. Vous voyez là, il fait des dégâts de merde. Je vais pas de main morte avec lui, mais il sert à rien. C'est un boss juste pour mettre un boss quoi. On va faire attaque quand même, parce que des fois il fait des grosses attaques critiques et tout. Après, bon, si j'avais amélioré l'arme de tout le monde, ça aurait été mieux. Ça aurait été beaucoup plus rapide, mais bon. Forcément, vu que j'ai pas d'argent. Là quoi. C'est comme en vrai, j'ai pas d'argent. Et mes amis n'ont pas de bons vêtements. Non, je sais pas. Bon, go. Putain, mais il a fait zéro dégâts depuis tout à l'heure. Bon, pourquoi je m'emmerde, j'aurais fait auto. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, faites tous les coups critiques comme ça, là. Voilà, c'est ça, c'est sa meilleure attaque. Sauf que, bah, vu que j'avais mis la défense magique... Eh ben, ça m'a rien fait. On va remettre la défense magique. Ah merde, je peux pas. Bah, on va attaquer, alors. C'est au pire, s'il me blesse, hein. On a de quoi se soigner. Nous ne verrons jamais cette fameuse attaque. On va dire que je dis des conneries, mais non, elle existe. C'est pas une blague. Quel dégât dégueulasse. En fait, c'est ça, ça c'est des boss casse-couilles, parce que c'est des sacs à PV. Mais ils font zéro dégâts, du coup, après. Pas refaire chier le monde, ça va rien quoi. Ah, c'est de ma faute, hein, c'est parce que j'ai des armes pourries. Mais... Bon. Quand même, on dirait vachement un chenipan aux hormones un peu. Hein. Même couleur et tout. C'est un chenipan en fait. C'est un shiny. Bon, allez, hop. Non mais c'est la malédiction de la vidéo ça, c'est tout. Putain, d'habitude quand je joue, il le fait souvent quand même. Enfin, souvent. Plus souvent que ça en tout cas. Bon, ça fait assez mal, c'est vrai. Mais ne vous en faites pas. Ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, je suis plus rapide que lui, donc... je peux me soigner avant.
sont là, il va bientôt arriver une phase, il faudra bien se préparer parce qu'il va y avoir des gros combats. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mes meilleurs persos. Ouh putain, c'est lui même. Je peux pas faire ça avant, pardon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que hors vidéo, je vais me faire masse d'or et améliorer tous les gros persos, quoi, genre Victor, Flick, Nanami, bah les deux de Mathilda, enfin les persos que je vais prendre, quoi, pas les persos random comme lui ou Kinison ou je sais pas quoi. Voilà, les, bon, en gros, c'est les persos les plus récents. Eux, je vais les améliorer. Putain, mais même après le boss, il y a des combats, c'est pas possible. Parce que sinon, ouais, ça va... Ça va jamais se faire, quoi. Il y en a marre de voir des boss... qui durent 10 plombes. Bon, là, ça va encore, mais... Si oui, on peut partir là. Il suffit de prendre le truc là. Et partir. On peut aller dans la ville et tout. On va pas le faire. C'est un peu les ennemis qui se mettent ensemble pour combattre leur ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Pour pas crever. On va mettre ça.
Donc là, on va voir Valeria et Kasumi. Ce sont des persos. Bah, je vous explique après. Dans pas longtemps. Sympa, il y a le reflet par terre. Sont toutes les deux choses. Alors laquelle va venir dans mon lit ce soir? Oh non, je déconne. Bah alors en fait, en gros, on peut en choisir qu'une et on pourra jamais avoir l'autre parce que c'est la même étoile en fait. C'est l'étoile, c'est ouais, un des 108 persos. On prenne l'une ou l'autre, ça revient à peu près au même, sauf que bien sûr, elles n'ont pas du tout les mêmes capacités. Alors Valeria, c'est une épéiste qui a une rune faucon, je crois, qui est assez puissante. Kasumi est moins bien. Et puis en plus, Valeria en tant que chef d'armée, elle est mieux aussi. Mais on va quand même prendre Kasumi parce que Kasumi permet d'avoir des persos plus tôt. Ben, les persos de son village là. Et c'est pour ça qu'on va la prendre. Parce que pour la Solus c'est mieux. Mais si vous voulez en foutez de faire ça vite, prenez plutôt Valeria, je la conseille. Voilà, c'est ce dont je vous parlais depuis quelques vidéos. Et quand on a ça, je vous jure que... On bande hein, la première fois. Voilà, bon, il est plutôt sympa, hein, le pente, on a de la chance. Pour une fois, c'est pas un gros connard. Un but de lui-même. Voilà, Shina nous rejoint, ment cette fois. Sympa avec son fils. Pigrièche. Tiens, bah, qu'est-ce que c'est quoi Ah oh, bien sûr, elle va devant comme les autres. Bah autant pis, on va faire comme ça. J'aurais dû virer Frida. Bon, c'est pas grave. Donc là, il suffit de parler à Vargas pour retourner là-bas. Voilà, parce qu'il veut pas nous faire visiter tout le truc, donc il nous emmène direct à la ville. Voilà, avec une musique bien sûr exprès pour la ville, hein, comme d'habitude. Ok, donc maintenant, on va chercher l'auberge. Bah, il y a le Hans, c'est là-dedans, je pense. Voilà. Commandez. Pourquoi il s'appelle Changeur lui? Putain, il y a un bug, il me dit pas son nom. Bon, c'est bizarre. Parce que lui, c'est un perso à recruter, hein, je crois. Enfin, j'en suis sûr, même. Du coup. Et ça met pas son vrai nom. C'est assez étrange. Du coup, Luan de Céladon. J'ai bien acheté Luan de Céladon, parce que je l'avais tellement vite. Voilà. Il va me servir à recruter un perso après. Il nous faudrait l'auberge, là voilà. Voilà l'étage. Dégage.
Voilà, alors ça c'était important, parce que c'est une ruine assez sympa. Voilà. En fait, c'est comme Vent de Luc, mais c'est mieux. C'est Vent en mieux. Donc, faut absolument l'avoir, parce que c'est une très bonne ruine. Ensuite, on va aller. Dans le château, il y a des trucs encore, non? Château, ouais. Château. C'est assez grand d'ailleurs. Je regarde si c'est pas des objets ou des trucs. Ah bah tiens, c'est marrant ça. C'est pas ça que je voulais, mais. Ouais, ça là. C'est MacDoll. Till MacDoll et c'est le héros de Suikoden 1. Ah bah oui, forcément. Eh hey, mais ouais, mais ça c'est la ville du 1, au tout début. Je crois que c'est ouais, c'est là, on est au tout début du 1 ça. Il semble, en tout cas ça ressemble au château. Merde, comment ça? Ah non, il devait être en haut. Ah oui. Donc on va utiliser le miroir clignotant maintenant, mais on va pas le faire tout de suite. Ouais, bah alors là, s'il fait pas l'attaque, je me casse. Alors, Pigrièche. Ça fait deux fois attaque, mais ça touche moins souvent, apparemment. C'est une ninja, elle, en fait. Voilà de quoi elle est capable. Allez les kobolds, ne me décevez pas. Allez vous faire foutre. On n'y arrivera jamais. Hein. Écoutez, on va pas se faire chier. Hein. Voilà. On va pas faire une vidéo de 40 minutes à cause de ces connards de kobolds de merde qu'on aurait dû laisser crever avec avec Ridley. Je vais pas les laisser nous aider. On va essayer comme une fois. C'est juste pour voir si ça marche, voilà. Ah mais en plus Fried il attaque pas, putain. Ah c'est pas mal ça. Et du coup va te faire foutre. Putain, je peux pas lancer l'attaque. On va courir. Oh non! Ça c'est un signe, c'est parce que c'est eux qui doivent les finir. Avec leur attaque kobold. Combiné. Puissance max. Allez go. Kobold. Connard. Bon autant les finir maintenant. On va pas fuir. On va faire ça. C'est con parce que Fried il sert à rien du coup. Putain, pas mal. Je pensais pas que vous assommez les gens comme ça. Bon. On va y arriver. Point de sauvegarde là. Voilà. Il me semble que c'est l'écran d'après, voilà. C'est pas. C'est là, c'est là. Ouais. Voilà, là il y a un petit passage secret en fait. Fallait le savoir ça. Je pense que ça se voit avec Richemont, il peut nous l'indiquer.
Et voilà, on a Rokkaku. La ville des ninjas. Ça fait pas partie du scénario, hein. Bon bah non. Il se fout de ma gueule ou quoi? J'ai Kasumi dans l'équipe là? C'est pas possible. Bon là y a un petit problème, hein. Parce que normalement si j'ai Kasumi. Ah mais non! Je sais pourquoi. C'est parce que Kasumi elle est pas encore avec nous. Putain, je suis vraiment une brêle. Bon ben du coup ça marchera pas. Ça va me refaire la même. Parce qu'en fait, on peut recruter Mondo, là, le gars qui vient nous virer, et l'autre, Sasuke. Mais bon, tant pis. Du coup, voilà, maintenant on a ça. Fous de ma gueule. Je vais me tirer une balle, je crois. Ah, aidez-moi. Putain, mais même ça, ça marche pas. Bah écoutez, on va terminer la vidéo ici. Parce que je pense qu'il faut être sur la carte du monde, c'est pour ça que ça marche pas. Je vais... Bah non, on va aller à la ville d'avant, là. Parce que... Il faut qu'on y aille pour récupérer un objet que j'ai pas pu récupérer tout à l'heure. Parce qu'il y a l'urne de Céladon, ouais. Putain, elle était moins chère, en plus, là-bas. Bah tant pis. C'est bizarre, hein, pour Rokkaku. J'étais presque sûr qu'on peut l'avoir maintenant. Mais c'est dit vu qu'on a comment elle s'appelle? Kasumi, ouais, on peut le faire tout de suite. Moi non, on peut pas. C'est bizarre. Ouais, sûrement qu'il faut qu'elle nous accompagne vraiment. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Et l'attaque Cobalt, je vais laisser tomber parce que la vidéo va durer 40 minutes pour ça. C'est débile. Voilà, en gros, l'attaque que j'ai pas pu vous montrer, ça fait une méga armée de kobolds qui fausse sur la gueule des ennemis, en fait. Je vais essayer de vous la montrer une dernière fois, et si ça marche pas, tant pis. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos où il y a toutes les attaques combinées du jeu. Ouais, bon, il veut pas, hein. C'est rageant, parce qu'elle est vraiment sympa. Ça fait plein plein de combos qui foncent comme ça, mais genre il y en a une bonne centaine quoi. Bah on va courir, ouais. Et puis bah on va sauvegarder à la ville de Banner. Ah bah non, fallait aller là d'abord. Putain, ce bordel. Ah mais c'est pour ça qu'on peut pas faire meilleur que le temps en fait. Voilà donc le grand hall, hein, la suite de l'histoire. Parce que Lucas Blight va attaquer. Hein. Mais avant de faire ça, on va devoir faire pas mal de recrutement. Elle est toujours avec nous, Sasuke, non, toujours pas. Pourquoi je dis Sasuke? N'importe quoi. Kasumi. Bon bah tant pis, tant pis. On va sauvegarder. Donc voilà, on a recruté Kasumi. On a fait une alliance avec la République de Torrent qui va nous envoyer ses soldats. Et là, bah, on doit continuer le scénario parce que Lucas Blight va attaquer. Mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir quelques recrutements, un petit paquet même. Et ça sera assez rapide avec le miroir clignotant, vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympa. Donc du coup, on va sauvegarder. Et puis, prochaine vidéo de recrutement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures rocambolesques. Allez, salut!